Dans ce tutoriel, nous allons résumer tout ce dont on a besoin pour pouvoir travailler convenablement en géométrie analytique et euclidienne dans l'espace à trois dimensions. Commençons par un plan alpha qui est donné par un point A et deux vecteurs directeurs U et V. Ce que nous faisons, c'est décrire un point P quelconque de ce plan alpha. On le décrit au moyen de vecteurs en disant qu'un tel point P appartient à ce plan alpha si et seulement si le vecteur AP est une combinaison linéaire des deux vecteurs directeurs U et V. Donc, P appartient au plan alpha si et seulement si il existe deux nombres réels lambda et mu tels que le vecteur AP soit égal à lambda fois le vecteur directeur U plus mu fois le vecteur directeur V. Une droite D est donnée dans l'espace au moyen d'un point, appelons-le grand D, et d'un vecteur directeur, appelons-le W. Pour décrire un point quelconque de la droite D, il suffit de dire que le vecteur DQ est un multiple du vecteur directeur W. Donc un point Q appartient à la droite D si et seulement si il existe un nombre réel lambda tel que le vecteur DQ soit égal à lambda fois le vecteur directeur W. Maintenant, nous allons mettre tout ça dans un système de référence. Nous désignons bien l'origine par O et les axes OX, OY et OZ. Dans un tel système de référence, nous trouvons ceci comme équation cartésienne du plan alpha. Ce déterminant se déduit tout de suite de l'équation vectorielle de alpha. AP est une combinaison linéaire de U et de V. Ça signifie que le vecteur de coordonnées x-a1, y-a2 et z-a3 est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, donc U1, U2, U3, V1, V2, V3. Et puisqu'il y a une combinaison linéaire entre ces trois colonnes, c'est que le déterminant doit être égal à 0. Donc cette équation-là se lit en fait dans l'équation vectorielle, équation vectorielle qui, elle, se lit dans un dessin. Donc finalement, on ne doit pas vraiment retenir tout ça par cœur. Celui qui sait bien lire dans un dessin, il voit tout ça. Exactement la même chose pour les équations cartésiennes d'une droite. Une droite D a pour équation cartésienne ces deux équations-là, équation qu'on voit également à partir de l'équation vectorielle. Attention dans ces équations-là, si jamais un dénominateur est nul, il faut interpréter ça en le numérateur est nul. Donc ici, on se permet d'écrire les équations cartésiennes d'une droite sous cette forme-là, avec la convention, si jamais un dénominateur est nul, ça signifie que le numérateur est nul. Maintenant, nous plaçons tout ça dans un système de référence orthonormé. Et dans un tel système de référence orthonormé, on obtient un vecteur normal n, normal au plan alpha, en fabriquant la coordonnée A, B, C, qui est constituée des coefficients de x, y et z dans l'équation cartésienne de ce plan alpha. On peut aussi obtenir un vecteur normal au plan alpha en calculant le produit vectoriel des deux vecteurs directeurs U et V. Ce qui est super en géométrie analytique de l'espace, c'est qu'il ne faut presque rien retenir par cœur. Il suffit de faire un dessin convenable et de lire les formules dans ce dessin. C'est aussi comme ça pour les positions relatives. Regardons d'abord pour le parallélisme. D'abord, droite, droite.
ces deux droites D1 et D2 sont parallèles si et seulement si des vecteurs directeurs de ces deux droites sont collinéaires. Ça signifie D1 est parallèle à D2 si et seulement si il existe un nombre K, nombre réel, tel que le vecteur directeur U2 soit égal à K fois le vecteur directeur U1. N'étudions pas ça par cœur, il suffit de regarder dans le dessin. Idem pour le parallélisme entre une droite et un plan. D est parallèle à alpha si et seulement si un vecteur directeur de D est orthogonal à un vecteur normal de alpha. Et ces deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc, on peut lire cette formule-là dans le dessin. La droite D est parallèle au plan alpha si et seulement si le produit scalaire d'un vecteur directeur de D et d'un vecteur normal de alpha est égal au nombre 0. Regardons maintenant pour deux plans. Alpha 1 est parallèle à alpha 2 si et seulement si ces deux vecteurs normaux sont collinéaires. Ça signifie alpha 1 est parallèle à alpha 2 si et seulement si il existe un nombre réel k tel que le vecteur normal n2 soit égal à k fois le vecteur normal n1. Voyons maintenant pour l'orthogonalité et faisons ça dans le même ordre, droite-droite, droite-plan, plan-plan. Deux droites D1 et D2 sont orthogonales si et seulement si un vecteur directeur de D1 est orthogonal à un vecteur directeur de D2, si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc dans ce dessin, nous voyons que la droite D1 est orthogonale à la droite D2 si et seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs directeurs est égal à 0. Maintenant, droite plan. Une droite D est perpendiculaire à un plan alpha si et seulement si un vecteur directeur de D est collinéaire à un vecteur normal de alpha. Donc dans un tel dessin, nous voyons que D est perpendiculaire à alpha si et seulement si il existe un nombre réel K tel que le vecteur normal N soit égal à K fois le vecteur directeur U. Maintenant, plan plan. Dans un tel dessin, nous voyons de suite que deux plans alpha 1 et alpha 2 sont perpendiculaires si et seulement si des vecteurs normaux respectifs sont orthogonaux, si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc c'est dans un tel dessin que nous lisons alpha 1 est perpendiculaire à alpha 2 si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs normaux N1 et N2 est nul. Regardons maintenant pour des angles d'intersection. Faisons ça dans le même ordre, droite-droite, droite-plan, plan-plan. Dans un tel dessin, on voit de suite qu'on peut déterminer l'angle gamma formé par ces deux droites au moyen du produit scalaire de ces deux vecteurs directeurs U1 et U2, puisque le cosinus de gamma, c'est le produit scalaire de ces deux vecteurs directeurs divisé par le produit de leur norme, de leur longueur. C'est comme ça qu'on trouve le cosinus de gamma, et alors on prend comme gamma l'angle compris entre 0 et pi demi. Regardons maintenant pour droite et plan. L'angle gamma formé par la droite D et ce plan alpha peut être déterminé par le produit scalaire d'un vecteur directeur U de D et un vecteur normal N normal à alpha, puisque le cosinus de l'angle formé par U et N, c'est-à-dire le cosinus de l'angle pi demi moins gamma,
cet angle formé par U et N, c'est bien l'angle pi demi moins cet angle gamma. Et le cosinus de cet angle pi demi moins gamma est bien égal au produit scalaire du vecteur directeur U avec le vecteur normal N divisé par le produit de leur longueur. On prend ici également gamma entre 0 et pi demi. On peut même abréger cette formule, puisque dans le cercle trigonométrique, nous voyons aussi de suite que le cosinus de pi demi moins gamma, c'est la même chose que le sinus de gamma. Regardons maintenant pour deux plans. Pour mieux voir l'angle gamma formé par ces deux plans alpha 1 et alpha 2, on les regarde de devant. C'est ainsi qu'on voit aussi que l'angle formé par deux plans alpha 1 et alpha 2, c'est aussi l'angle formé par deux vecteurs normaux respectifs. Et de nouveau, nous pouvons calculer cet angle-là au moyen du produit scalaire de ces deux vecteurs normaux. De nouveau, on prend gamma entre 0 et pi demi. Rappelons ici les formules qui permettent de calculer des distances dans l'espace. D'abord, la distance entre deux points. Voilà deux points A et B donnés dans ce système de référence de l'espace au moyen de leurs coordonnées. Pour calculer cette distance entre les deux points A et B, il suffit de calculer la racine carrée de la somme des carrés des différences des abscisses, différences des ordonnées et différences des côtes. Maintenant, distance entre un point et une droite. Voilà un point et une droite dans l'espace, la droite étant donnée par un de ces points et un vecteur directeur, le point étant donné par sa coordonnée. Pour déterminer la distance entre ce point et cette droite, il faut d'abord déterminer le vecteur dp, donc sa coordonnée, et ensuite on calcule simplement la norme du produit vectoriel de ce vecteur dp avec le vecteur directeur qu'on a divisé par sa longueur. Un vecteur divisé par sa longueur, c'est automatiquement un vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur de longueur 1. Maintenant, la distance entre un point et un plan. Dans l'espace à trois dimensions, on nous donne donc un point P de coordonnées P1, P2, P3 et un plan alpha, par exemple, au moyen d'un point et de deux vecteurs directeurs U et V. Grâce à ces deux vecteurs directeurs U et V, on peut trouver un vecteur normal à ce plan alpha. Voici aussi un point A de ce plan alpha. Pour déterminer la distance entre P et le plan alpha, il suffit de déterminer la distance entre P et ce point S si ce segment PS est parallèle à ce vecteur N. Pour déterminer cette distance, on détermine d'abord le vecteur AP et puis on calcule la distance entre le point P et le plan alpha par la valeur absolue de ce vecteur AP multiplié scalairement par le vecteur normal N qu'on a normé, c'est-à-dire on l'a divisé par sa longueur. Dès qu'on connaît l'équation cartésienne du plan alpha, on peut aussi déterminer la distance entre P et alpha, donc cette distance verte-là, au moyen de cette formule-ci. La distance entre P et alpha, c'est alors, barre de fraction, le dénominateur c'est racine carrée de coefficient de x au carré plus coefficient de y au carré plus coefficient de z au carré. Le numérateur est formé par valeur absolue de le nombre qu'on met entre les barres de valeur absolue est déterminé par la partie gauche de l'équation cartésienne de alpha,
dans laquelle on remplace l'abscisse X par l'abscisse P1 du point P, l'ordonnée Y par l'ordonnée P2 du point P, et la cote Z par la cote P3 du point P. Donc si là, on remplace X, Y et Z par P1, P2 et P3, on obtient bien ce qui est écrit ici entre les barres de valeur absolue. Voici un exemple. Cette question-là a été posée à l'Université de Liège lors d'un examen d'admission pour la faculté ingénieur civil. Voici la question. Détermine une équation du plan alpha telle que, premièrement, alpha contient le point A de coordonnées 1, 3, moins 2. Deuxièmement, alpha est parallèle à la droite D d'équation que voilà. Et troisièmement, alpha est perpendiculaire au plan bêta d'équation que voilà. Et comme toujours en géométrie analytique, il suffit de faire un petit schéma qui correspond à l'énoncé pour voir ce qu'il faut faire. Donc, nous avons d'abord un plan alpha, c'est ce plan-là, qui contient un point A. J'ai simplement dessiné un point A de coordonnées 1, 3, moins 2, mais je n'ai même pas dessiné un système de référence. Pas besoin, ce schéma suffit pour résoudre la tâche. Maintenant, nous savons que alpha est parallèle à la droite D, dont voilà les équations cartésiennes. Donc, je dessine une droite D qui a l'air dans le dessin d'être parallèle au plan alpha. Cette droite D contient ce point B de coordonnées moins 1, moins 2, 1. Ça, on le voit dans ces équations cartésiennes de la droite D. Nous voyons le point de coordonnées moins 1, moins 2 et 1. Je l'ai ici dessiné comme point B. Nous voyons même la coordonnée d'un vecteur directeur U de cette droite D. Cette coordonnée se lit ici comme dénominateur 3, 2, 3. 3, 2, 3. On nous parle aussi d'un plan bêta auquel alpha est perpendiculaire. Donc dans mon dessin, alpha a l'air d'être horizontal et bêta a l'air d'être vertical. Dans cette équation cartésienne du plan bêta, nous savons lire la coordonnée d'un vecteur normal à bêta. Cette coordonnée, c'est 2, moins 3, 2, coordonnée qu'on lit ici comme coefficient de x, coefficient de y et coefficient de z. On nous demande maintenant de déterminer, grâce à toutes ces données-là, une équation cartésienne du plan alpha. Le dessin montre ce qu'il faut faire. Puisque le plan alpha est donné par ce point A et ses deux vecteurs directeurs U et V. Selon cet énoncé, U et V sont des vecteurs directeurs de alpha. Par conséquent, nous pouvons dire un point P appartient à alpha si et seulement si le vecteur AP est une combinaison linéaire des deux vecteurs U et V. Donc, un point P de coordonnées x, y, z appartient au plan alpha si et seulement si il existe deux nombres réels lambda et mu, tels que le vecteur AP soit égal à lambda fois le vecteur U plus mu fois le vecteur V. Et grâce à cette équation vectorielle, nous trouvons de suite l'équation cartésienne de alpha comme ceci. Coordonnée de AP, c'est celle de P moins celle de A, donc c'est x, y, z moins la coordonnée du point A qui est 1, 3, moins 2. Donc voilà. Et puis la deuxième colonne, c'est la coordonnée du vecteur U, c'est 3, 2, 3. Là voilà. Et ensuite la troisième colonne, c'est la coordonnée de V, donc c'est 2, moins 3, 2. Voilà. Maintenant, il suffit de calculer ce déterminant
par exemple au moyen de la loi de Sarrus. Mais ici, ça saute à l'œil que ce 3 et ce 2 se trouvent aussi dans la première ligne. Donc si de la première ligne, nous soustrayons la troisième, alors nous obtenons tout de suite 2 zéros là. Maintenant, on peut calculer ce déterminant rapidement par les mineurs de la première ligne. Et ainsi, nous trouvons de suite cette équation-là et l'équation cartésienne de alpha, c'est donc x moins z moins 3 est égal à 0. Le produit de ces deux facteurs est nul, si et seulement si le premier est nul ou le deuxième est nul. Mais ce deuxième facteur, c'est 13 et pas 0, donc il tombe. D'où l'équation cartésienne de alpha. Pour vérifier si l'équation cartésienne finale est bonne, on peut d'abord vérifier si la coordonnée de A vérifie bien cette équation-là, ça c'est OK, et on peut aussi vérifier si le produit vectoriel de U et de V, qui est un vecteur normal à alpha, est un multiple du vecteur formé par la coordonnée 1, 0, moins 1. Si ces deux tests sont OK, alors l'équation finale est certainement la bonne.